Je pose ça où, monsieur ? Sur la table. Une petite signature ? Merci. Merci. Ah non, merci à vous. Combien de temps sera-t-il opérationnel ? Je vous dirai ça quand on aura fini les analyses. Je voudrais un avis même approximatif. Environ 2 jours, ou peut-être plus, je ne sais pas. Attention, d'aller là. Excusez-moi de vous le rappeler, mais le budget va être révisé dans moins de 2 mois. Oui, je sais. Et moi, je vous rappelle, Dr Heller, que si cette main ne joue pas correctement du piano plus de 2 minutes sans prendre feu, on sera tous bons pour aller travailler dans un garage comme mécanicien, ça vous tente? Dr Simmons, L8 est prête pour le test en labo 4. Oh, quelle jolie veste. Une très jolie veste. Il me faut un sac aussi. Vous me trouvez jolie. Adressez-vous au guichet central qui se trouve à la sortie du quai numéro 8.
Oui, c'est à vous, madame. Venez dans mon bureau, suivez-moi. Oh, je voulais juste un petit renseignement. Les formulaires sont arrivés ce matin. Que personne ne bouge ! Tout le monde à terre ! Couchez-vous ! Couchez-vous ! Partez ! Dépêchez-vous ! Couchez-vous ! Sinon, coupez cette putain de caméra ! Alors, connasse, qu'est-ce que tu fous ? T'es sourd de quoi ? Allonge-toi avec les autres ! Allez, vite, ou je te descends ! Tu veux mourir ? Allonge-toi ! C'est bon, on peut y aller. La verdad, non? Sí, la verdad. Trabajando. Harris, Des Moines, Saperstein, Carter. Vous êtes tous morts. Et ça y est. Et chacun d'entre vous aura comme épitaphe: ce soldat est mort pour la patrie, bêtement parce qu'il n'a pas écouté ce qu'on lui a dit. Je me demande combien de fois je vais devoir vous répéter que vous devez rester sur vos gardes, ne pas vous déconcentrer, ne pas vous relâcher, pas une seule seconde. Va falloir réparer ça. Ne jamais se fier aux apparences, rien n'est simple.
maintenant, histoire de vous montrer qu'ici Dieu, c'est le colonel McQuaid, je vais accomplir un miracle et un vrai. Je vais tous vous ramener à la vie. Pouf! Comme ça, on peut refaire un essai. Et tâchez de ne pas vous faire avoir cette fois, d'accord? Oui, colonel! Quoi? Oui, colonel! C'est quoi ce truc-là? Des ordres, colonel! L'ordre de foutre le camp d'ici et de grimper dans l'hélico! Quoi? Vous avez même préparé mon sac? Carter, vous êtes le commandement! Bien, colonel! Mais pas que Dieu avait des supérieurs. Rampez ! Maman, t'as bientôt fini? Une seconde, Tim. Tim, qu'est-ce que tu fais? Oh, toi, là. Allez, montre-moi ça. Ça, c'est un monsieur, ça, c'est une madame, ça, c'est son vagin. Son quoi? Pourquoi tu fais cette tête? Je peux en parler, moi. T'as raison. Allô? Non, monsieur, le docteur Simons ne veut pas être dérangé. Ça, c'est des nifons. Qui t'a pris ça? C'est pas papa, je te dis que c'est pas lui. Ah, ça s'appelle la poitrine ou les seins, mais l'autre mot est trop vilain. D'accord, la poitrine. Tu veux que je te dise ce que c'est, ça? Tu le sais? Alors dis-le-moi. T'es cool. C'est pas papa qui me l'a dit. Docteur Simons téléphone pour vous. Je vous ai dit que je voulais pas qu'on me dérange. Mais c'est le docteur Heller, il dit que c'est extrêmement urgent. Je reviens, Tim. Tu d'accord. Ne perds rien pour attendre, mon bonhomme. D'accord. J'espère que vous me dérangez pour une raison valable, sinon... Quoi? Oh, d'accord, d'accord, j'y vais. Dans une heure, oui. Au revoir. Je dois m'en aller. Vous conduirez Timmy à l'aéroport. J'ai une urgence. Et c'est Maria qui va te conduire à l'aéroport, d'accord? D'accord. Mais j'appellerai avant que tu partes. Mm. Excuse-moi, on ira visiter l'aquarium une autre fois, je te le promets. Tac. Je veux un bisou. Mon trésor. Il faut quand même que tu saches que le nom correct, c'est testicule. Oh non. Au revoir, mon chéri. Je vous présente Bill Schneider du Conseil de sécurité. On m'a beaucoup parlé de vous, colonel. Bonjour. Asseyons-nous. Bonjour. Oui, je sais. Je sais que vous êtes révolté. Et c'est tout à fait légitime, vu les efforts que vous avez déployés pour régler ce problème. Mais cette affaire d'otage devra attendre. Ces gens ne seront jamais libérés si nous n'intervenons pas. Ils s'en sortiront pas vivants. Colonel, les otages ne sont plus notre priorité. Pour l'instant, nous avons un problème plus important. Jim, nous sommes sur le point de vous confier une mission ultra confidentielle. Information ultra confidentielle. Voici le projet ROB qui date de 25 ans.
Il consistait à concevoir un robot pouvant se substituer à un être humain. Comme vous pouvez l'observer, à l'époque, la robotique n'en était qu'à ses balbutiements. Aujourd'hui, nous avons Eve 8, un chef-d'œuvre. Afin qu'elle soit parfaitement convaincante, on lui a programmé les pensées et les sentiments de son inventeur, le docteur Eve Simmons. Nous jugeons utile de vous signaler que le docteur Simmons a également servi de modèle pour le corps et le visage du robot, ainsi que pour son programme mémoire. Eve 8 a été créée pour assurer un travail de surveillance, mais peut aussi être utilisée comme arme de guerre très puissante. Eve 8 subit actuellement une dernière série de tests à San Francisco. Message terminé. C'est sérieux cette histoire ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Eh bien, j'étais au courant qu'on travaillait sur un robot, mais ça, C'est incroyable. Incroyable n'est pas un mot assez fort. Elle effectuait une mission test à San Francisco ce matin. La banque nous a fait parvenir ses photos. Comme vous pouvez le remarquer, elle a été blessée. Le plus ennuyeux, c'est qu'après avoir reçu cette balle, il s'est passé quelque chose en elle. Comme si son mécanisme avait été détérioré. Depuis, on ne la contrôle plus. Et elle est armée ? Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai une question bête à vous poser, si vous le permettez. Vous savez où elle est ? Non, nous n'arrivons plus à la localiser depuis la fusillade. Il n'y a donc plus moyen de communiquer avec elle. C'est exactement ça. Et si jamais on la retrouvait, comment on fait pour l'éteindre ? Ce n'est pas aussi simple. Elle est plus humaine que mécanique. Oui, en réalité, elle se comporte comme un soldat. Vous lui donnez des instructions et elle y obéit. Elle est vraiment dangereuse ? Elle peut être très dangereuse si elle est loquée sur le mode zone de combat. C'est quoi ça ? Le mode zone de combat, c'est sa capacité d'intervention la plus forte. Ça veut dire qu'elle est prête à utiliser toute la puissance dont elle dispose pour se défendre, se protéger de ce qu'elle perçoit comme étant un énorme danger, une menace. Alors, si j'ai bien compris, Eve n'est plus tellement d'humeur à obéir aux ordres de ses supérieurs. C'est exact. C'est un jouet absolument incroyable que vous avez là, messieurs. En fait, vous voudriez que je la remette dans sa boîte. Il ne s'agit pas d'un jouet. Merci d'être venu aussi rapidement, docteur Simmons. À vrai dire, je n'avais pas tellement le choix. Bill Schneider, que vous connaissez. Bonjour. Et voici Jim McQuaid, F. Simmons. Il y a quelque chose qui ne va pas ? Non. Étonnante ressemblance. Ne vous inquiétez pas, elle est très humaine. Ce n'est pas ce que pense mon équipe. Jim a eu droit à un petit exposé de la situation. J'espère que votre collaboration sera fructueuse. Docteur, on m'a dit qu'on s'était basé sur votre propre personnalité pour programmer F8. Ça veut dire que vous réfléchissez de la même façon ? Oui, en effet, j'ai servi de modèle pour élaborer le programme d'F8. Mais nous ne sommes pas tout à fait identiques, non. Est-ce indiscret de vous demander quelle formation vous avez, Monsieur McQuaid ? Quelle est votre spécialité ? Eh bien, pour tout vous dire, docteur, ma spécialité, c'est les lasagnes aux épinards,
avec une sauce légère à base de tomates et de basilic. En réalité, docteur, M. McQuaid est hautement qualifié. Il est à la tête de la brigade anti-émeute. C'est un spécialiste de la lutte antiterroriste. J'ai entièrement confiance en lui. Il parviendra à neutraliser Evitt. Donc, votre spécialité, c'est de tuer? Justement, voici ma deuxième question, docteur. Comment on fait pour tuer ce truc-là? Un blessé parmi les employés et une jeune femme également blessée qui aurait disparu mystérieusement après avoir désarmé l'un des malfaiteurs. Pour terminer ce flash d'information régionale, un mot du temps sera demain. En activé, un ciel ouvert, température baissée et de la pluie en fin d'après-midi. Les zones de vulnérabilité sont évidemment presque identiques à celles de l'être humain. Tous les signaux moteurs qui commandent les membres descendent dans la colonne vertébrale, qui est dotée d'une épaisse enveloppe protectrice. C'est quoi ce cylindre? C'est l'un de ces éléments de défense. Bon, et si elle reçoit une balle dans le cœur, est-ce que ça peut l'arrêter? Non. Le cœur, les organes et tout le système sanguin sont factices. Ils ont été conçus pour lui donner une apparence complètement humaine, mais en vérité, ils n'ont aucune fonction réelle. C'est un circuit électronique très minutieux qui l'a fait fonctionner. Une balle dans le cœur la ferait saigner, mais ne la tuerait pas. Si j'ai bien compris, ça ne sert à rien de viser le corps. Exact. Le crâne aussi est très protégé. Les bons endroits à viser seraient l'œil droit ou gauche. Ce sont les deux points vulnérables. Une balle dans l'œil mettrait fin à son activité. Tout est dans les yeux alors, hein, docteur? Votre indicatif d'appel sera Seeker, et le nôtre Homer. Nous allons également vous procurer un hélicoptère civil. En ce qui concerne les questions qui pourront vous être posées, y compris par la presse et la police, vous êtes tout simplement à la recherche d'une femme appartenant à une dangereuse faction terroriste. Au cas où vous seriez amené à affronter le pire. Si elle passe au nucléaire, vous entendrez un son très aigu. Il n'est pas au courant? Non, ce n'est pas nécessaire. Moins ça se saura, mieux ça vaudra. Ne vous en faites pas. C'est le meilleur tireur d'élite disponible et il me semble qu'il a tout compris. Il visera les yeux. Il y a du nouveau. F8 a loué une voiture à San Francisco. Une Mustang rouge modèle 90. J'apprends aussi qu'elle a acheté des munitions, 250 unités. Ils ajoutent qu'elle s'est procuré une carte routière également. Une carte détaillée du nord de la Californie. Un pink lady.
c'est plutôt intéressant. Elle est mignonne. Hé, hey, Cal, pense à nous, hein, t'es pas tout seul. T'inquiète pas. Tu connais ma devise? Un pour tous, tous pour un. Vas-y, on est avec toi, mon grand. Qu'est-ce que vous cherchez? Je peux vous aider. Katie Twilight Can. Janis Joplin. Janis Joplin. Ah non, pas sur cet appareil. Elle était morte depuis longtemps quand ils ont ouvert ce bar. Mais moi, j'ai quelque chose de mieux. Et je suis sûr que ça va te plaire. Et si on se prenait une petite chambre, toi et moi, hein? Changer de cap et bifurquer à droite pour remonter l'autoroute. Roger, terminé. Alors, docteur, si vous me parliez un peu de vous pendant qu'on y est, il est évident que plus j'aurai d'informations sur vous et plus j'aurai de chances de coincer votre charmant sosie mécanique. Vous n'avez pas lu mon dossier ? Moi aussi, et plus d'une fois. Je sais que vous avez 33 ans, que vous avez un fils de 5 ans qui vit à New York avec son père car vous êtes divorcé. Votre ex-mari était diplomate et maintenant il écrit dans les journaux et les magazines. Il y a probablement plus de diplômes et de titres honorifiques associés à votre nom que de décorations épinglées au veston de notre général, mais ces détails ne font malheureusement pas avancer notre enquête. Et votre dossier, on peut le voir, Monsieur McQuaid ? Mon dossier est ultra confidentiel. Mais vous n'avez pas besoin de le voir pour comprendre que je suis un mec génial. Je sais que vous êtes celui que le gouvernement appelle quand le Congrès ne doit rien savoir. Ça arrive, c'est vrai. N'allez pas croire pour autant que je fais partie d'un petit groupe d'extrémistes. Bon, alors quelles sont vos motivations? Moi, je suis pour une défense efficace. Je suis persuadé que nous devrions faire preuve d'une plus grande fermeté pour régler les conflits dans le monde, et surtout en ce qui concerne le terrorisme. Je trouve ça primordial. Et il faut supprimer les distributeurs de billets dans les rues, le Minitel et les voitures à commande vocale. Autrement dit, vous n'aimez pas les machines. Et c'est pour ça que vous avez tant de mépris pour ce que je fais. Ce n'est pas du mépris, c'est du scepticisme. Du scepticisme? Oui, j'avoue que je ne comprends pas qu'une personne aussi intelligente que vous dépense des millions de dollars appartenant à l'État et un temps de travail inouï. Tout ça pour fabriquer une saloperie de machine qu'on ne peut pas éteindre quand on veut. Pour dire non. Hé, beauté. Tu veux tes pères? Approche. Approche. Approche.
veux t'amuser? Allez, viens. Montre-moi ce que tu sais faire. Hey, doucement! Mappa 372, on a retrouvé la Mustang envoyée du renfort. Et maintenant, la surprise. Une femme susceptible. Oh, je m'excuse. J'ignorais que t'étais une salope susceptible. Allez, viens. Dépêche-toi. Viens. Espèce de poufias. Debout! Lève-toi! Elle est complètement folle, cette salope! Où elle est? Cinglée! Dans quelle chambre? J'en sais rien! Dans quelle chambre elle est, hein? Mettez-le dans la voiture! Jack! Non! 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 Lâchez-moi! Allons-y, les gars! Non! Les mains en l'air! Restez où vous êtes, mains en l'air! J'ai dit les mains en l'air! Thank you.
la sortie de la Saint. Combien de morts, Homer? 5. 5 flics en plus. Oh mon Dieu. Vous allez rester là. Ça, c'est mon domaine. S'ils vous voient, ils ne vont plus rien comprendre. L'agent du FBI dont tout le monde se plaint, McCall. McQuaid? Oui, c'est pareil. J'ai eu 4 coups de feu à déplorer ici en 3 ans. Et encore, c'était un petit rigolo qui s'était tiré une balle dans la jambe. Et en une nuit, ma ville est devenue un vrai champ de bataille. Une gonzesse débarque dans mon comté. Elle massacre 2 hommes plus 5 de mes officiers. Et on considère que ça tombe pas sous ma juridiction. Capitaine, je sais ce que vous... Vous savez quoi? C'est pas vrai. Qu'est-ce que vous allez expliquer aux familles de mes hommes? Excusez-moi. Homer, ici Seeker. Je vous écoute, Seeker. C'est pas joli, joli. On se croirait à Beyrouth après une nuit agitée. Ça va pas être du gâteau, cette affaire. Tant que nos copains de la presse n'ont pas perdu de temps. Non, je vous assure que ça va pas être du gâteau. Je crois que nous allons être forcés d'employer les grands moyens. Je me permets de vous rappeler les consignes. Cette affaire ne doit pas s'ébruiter. J'ai des ordres de Washington. Tu peux me la décrire, Robbie? Ouais. Elle est blonde, les cheveux courts, bouclés. Elle portait une robe noire, moulante, et un blouson de cuir rouge. Grande? Environ 1m70. 1m70. Ouais. Moi, j'ai tout de suite compris ce qu'elle venait chercher quand je l'ai vue entrer. Qu'est-ce qu'elle venait chercher? Elle voulait se faire un mec, c'était clair et net. Bon, on récapitule, si tu veux bien. Elle est blonde, les cheveux courts, plutôt grands. Je vous avais dit de ne pas bouger. Je connais ce motel. Pourquoi, vous y êtes déjà venu? Non, je le connais, mais je n'y suis jamais entrée. Je crois savoir pourquoi elle est ici. On va trouver un endroit plus tranquille. Amène ta caméra par là. Je te suis. Venez, on sera bien pour discuter. J'ai vécu tout près d'ici quand j'étais jeune. Avec mes amis, on passait souvent en voiture devant ce motel. Mais on n'a jamais eu le courage d'y mettre les pieds. Parce que c'était très mal fréquenté. C'était le rendez-vous des prostituées. Mais j'ai... J'avoue m'être souvent demandé comment ça se passait. Mais quoi, il se passait quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, allez, expliquez-vous. Allez! Il se peut que F8 se plaise à réaliser certains de mes fantasmes, voilà ce que je voulais dire. Si vous permettez, je vais résumer ce que je crois comprendre. Vous essayez de dire que votre petit bijou est en train de réaliser tous vos fantasmes sexuels d'adolescente. C'est ça. Aussi incroyable que ça puisse paraître. Incroyable n'est pas un mot assez fort. Docteur. Alors votre petite créature sera à la fois nymphomane et psychopathe. Hein? Pas mal comme mélange pour une femme. Bon, docteur, qu'est-ce que vous feriez dans sa situation, sachant que vous êtes presque comme elle et qu'elle est presque comme vous? Je suis incapable de prévoir ses actes.
Tout ce que je peux faire, c'est vous les expliquer, éventuellement. Eh ben, à ce rythme-là, elle aura le temps d'en faire de belles avant qu'on l'arrête. Sortez, allez-vous-en. Foutez-moi le camp! Dehors! Ça ne sert strictement à rien de vous énerver contre moi, McQuaid. Essayez de comprendre, bon sang. C'est toute ma vie professionnelle qui s'écroule brusquement. D'accord. D'accord. Vous êtes né où? À Santa Rosa. Mais j'ai fait mes études pas loin d'ici, pendant 3 ans. Et puis j'ai beaucoup voyagé. Où sont vos parents? Ma mère est morte. Votre père? Je ne sais pas. Comment ça, vous ne savez pas où est votre père? Je ne sais pas où il est. Ma mère est morte quand j'avais 6 ans et je suis allée vivre ensuite chez mes grands-parents en Europe. Je suis revenue qu'à l'âge de 16 ans. Ça fait des années que je n'ai pas vu mon père. Je sais qu'il habitait Guerneville pendant longtemps. Maintenant, je ne sais pas. Comment il s'appelle? William. William Simmons. Vous avez d'autres fantasmes qui risquent d'être intéressants pour la suite? J'ai dit, vous avez d'autres fantasmes d'adolescente qui risquent d'être intéressants pour la suite. Ça alors? Je n'ai pas du tout l'intention de me faire psychanalyser par un énergumène qui n'a probablement jamais rien lu d'autre que des bouquins sur les manœuvres militaires. Et vous n'êtes pas regardée! Vous êtes tellement intelligente que vous avez fabriqué un outil de surveillance qui a tué 5 flics. Ça veut dire que par votre faute, il y a aussi 5 femmes désemparées et des enfants qui grandiront sans père. Et je ne crois pas que cet énorme chagrin et ces morts puissent être comparés à l'embarras dans lequel je vous mets quand je vous demande de me parler de vous. Alors vous allez me parler de vous, compris? Écoutez, on est obligés de travailler ensemble, d'accord? Alors, je veux les noms des patelins où vous avez vécu, des écoles où vous avez étudié. Je veux que vous me parliez de vos amis, de vos ennemis, de vos amours, de vos souvenirs, les bons comme les mauvais. Je veux aussi savoir quelles sont vos émissions de télévision préférées, votre plat préféré, et si ça s'avère nécessaire, quelle position vous préférez. Ce peu qu'Eve 8 visite certains endroits que fréquentait autrefois son inventeur. J'ai une liste des lieux en question. Ce serait pas une mauvaise idée d'y poster quelques hommes. Bien reçu, Seeker. Autre chose, il me faudrait aussi le maximum de renseignements sur un certain William Simmons. Aux dernières nouvelles, il habitait 2331 South Harper, Guerneville. Il était ingénieur, il a fait son service en Allemagne dans les années 60. Laisse-moi passer, pousse-toi! Quelle connasse! J'y serai jamais, laisse-moi passer, bordel! Where's the...
5 minutes et m'écouter. On a signé un contrat tous les deux. Alors commence pas à m'emmerder, on parle affaires là. Mon vieux, les affaires sont les affaires. L'amitié, ça n'a rien à voir là-dedans. Non, 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 ça sert absolument à rien de remettre ça sur le tapis. Est-ce que tu acceptes mon programme, oui ou non? Voilà la vraie question. Eh ben c'est très bien. Alors dans ce cas, j'arrive dans une demi-heure et je veux que tout le monde ait le sourire. Mais elle est folle! Salope! Il faut que je tombe sur une folle. Et merde. Dire ce que c'est. Elle a été activée. Activée? Comment ça, activée? Passez-moi la radio. Qu'est-ce que ça veut dire, elle a été activée? J'ai besoin de la radio. Homer, ici Seeker. Répondez. Homer, ici Seeker, vous m'entendez? Seeker, ici Homer. La cible semble avoir été activée. Je répète, la cible semble avoir été activée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a pu arriver? Nous ne savons pas. Il semblerait que la cible ait été gravement touchée. Elle a entamé un compte à rebours de 24 heures. Également une redoutable arme nucléaire, vous comprenez maintenant? Elle a été conçue pour opérer en terrain ennemi. Nous l'avons créée à la mesure de leur bouclier de l'espace. Et si nous ne l'arrêtons pas dans les 24 heures qui suivent, elle produira une explosion d'une force suffisante pour raser la moitié de cette ville. Ce sont vos supérieurs qui considéraient qu'il n'était pas utile de vous en informer. Je n'ai fait qu'obéir aux ordres que j'ai reçus comme vous, McQuaid. Elle n'a pu être activée que par un ensemble de signaux extrêmement précis. Elle possède un système de sûreté intégré. Vous êtes vraiment gonflé. Vous savez ça? Vous êtes prise pour le bon Dieu ou quoi? Seulement, docteur, quand Dieu a créé son Ève à lui, il l'a faite pour qu'elle nous emmerde un peu. Alors que la vôtre semble avoir été créée pour carrément foutre en l'air la planète. Vous permettez? Homer, ici Seeker. Je vous écoute, Seeker. Homer, notre charmant docteur vient de m'en apprendre une bonne à l'instant. Je me suis dit que ça pourrait également vous intéresser. Vous avez un problème? Je veux ta Jeep. Peut-être, mais je peux pas vous donner ma Jeep. Here,
Les shérifs du côté de Napa viennent de nous signaler un accident de la circulation. Je vous donne les coordonnées. Echo, Golf, 9e, 9e, 4, 5, 4, 3, 2, pas de transmission. Seeker, on nous signale le vol du Jeep à 1,5 km de l'accident. Le propriétaire est gravement blessé. Une Jeep de couleur rouge, immatriculée en Californie, numéro 2PXS822. Oui, j'aimerais parler à monsieur Victor Montoya. J'ai une adresse pour William Simmons, 29 Tompkins Lane à Santa Elena. La police a été prévenue. Le dispositif est en route. Bonjour, papa. Comment tu m'as retrouvé? Victor Montoya. Victor Montoya. Tu connaissais Victor? Oui, je le connais. Il te donne le bonjour, d'ailleurs. J'ignorais que tu connaissais Victor. Tu as vraiment une mémoire d'éléphant. Bon, ben, si tu veux, tu peux entrer. Ah, vous voilà, Bill Klenoff. McQuaid. Je vais vous expliquer où ça en est. Suivez-moi. Voilà le 29 de Tompkins Lane. Nous avons retrouvé la Jeep rouge volée stationnée sur le parking juste derrière. Le locataire s'appelle Simpson. Vous voulez dire Simmons? Non, les voisins nous ont bien dit Simpson. Ils peuvent s'être trompés, bien sûr. Ils le connaissent très peu, il sort rarement de chez lui. Ça lui ressemble tout à fait. Où sont vos hommes? Au bout de la rue, mais je vais leur demander de... Non, demandez-leur de rester où ils sont. C'est à moi de jouer, maintenant. Mais enfin, qui sont ces gens-là? C'est votre nouvelle équipe. Écoutez, au cas où, malgré tout, cette affaire se terminerait mal, il faut prévoir une argumentation plausible. Et à ce moment-là, nous aurons peut-être besoin de votre aide. Vous pensez à quoi en disant ça? Ah, il faudra trouver un bouc émissaire. Je pense qu'on prendra l'Irak ou la Libye, à moins qu'il n'y ait du nouveau d'ici là. Vous reconnaissez cette maison? Non, c'est la première fois que je la vois. Lieutenant. Pardon, madame. À vos ordres. Si elle s'approche de moi, ne tirez pas. Si elle vous tire dessus, repliez-vous. Il est hors de question, je répète, hors de question que vous ripostiez, c'est compris? Mais, colonel... C'est compris? Oui, colonel. Votre travail consiste à ne pas la perdre de vue, mais surtout pas l'éliminer. Compris? Oui, colonel. Parfait. Si les choses ne se passent pas comme prévu, contactez le général Curtis au présidium. L'indicatif, c'est Homer. D'accord? Oui, colonel. Avec ça, vous aurez le général en personne.
Homer et Sissika. Seeker, ici Homer. Seeker, ici Homer, répondez. À vous, Seeker. Est-ce que vous me recevez? Seeker, ici Homer. Homer, ici Frankel. Vous pouvez me dire ce que je dois faire? Vous avez des ordres, lieutenant. Restez où vous êtes. J'ai tout vu. Je sais ce que tu as fait. Qu'est-ce que vous m'avez vu faire? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout vu. Je sais ce que tu as fait. J'ai vu tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que j'ai fait, Eve? Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai tout vu. Eve, ne faites pas ça. Ne faites pas ça! Elle ne l'a pas tué, ce n'est pas lui. Madame! Merde! On y va, lieutenant? Non, ne bougez pas, on doit rester là! Il n'a rien fait, Eve! Ce n'est pas lui, il n'y est pour rien! Je l'ai vu. J'ai vu tout ce qui s'est passé! Eve? Est-ce que vous m'entendez? Eve, écoutez-moi! Il ne l'a pas tué. Ce n'est pas lui! Eve! Est-ce que vous m'entendez? Eve? Eve? Vous ne craignez rien. Il est votre ami. Ne lui faites pas de mal. Eve? Je vous en prie, ne lui faites pas de mal. Oh, mon Dieu. Arrêtez, ne faites pas ça. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Répondez, Seeker. Ici Homer. Seeker, ici Homer. Répondez, Seeker. À vous, Seeker. Ça va, j'ai rien. Sortez de là! Oui. Quatre morts. Trois Marines et un civil. Et la cible a réussi à prendre la fuite. Je répète, la cible a réussi à prendre la fuite. Terminé. Bravo, votre expert a tout foutu en l'air. On a failli la coincer. Bon sang, on était à deux doigts! Eagle et Seeker, j'aimerais que vous survoliez le nord de Santa Elena, s'il vous plaît. Bien reçu, Seeker. Il ne l'a pas tué. Tué qui? J'ai essayé de me cacher la vérité pendant tellement longtemps qu'en fait, j'en suis arrivée à me demander si ça s'est réellement produit. Je crois que je devais avoir 5 ans et demi, presque 6 ans.
Il pleuvait des cordes ce soir-là. On était allé récupérer mon père dans un café qu'il fréquentait très régulièrement. Il buvait un peu trop par moment. Non, je me calmerai pas! Ce soir-là, il avait trop bu pour qu'on le laisse conduire. Il était complètement ivre. Il est entré dans une colère bleue quand ma mère lui a enlevé les clés de la voiture. Ils étaient tous les deux dehors. Je les regardais se disputer sur le bord de la route. Montre ma bagnole, donne-moi les clés. Je l'ai pris, je l'ai conduit. Il pleut, il est complètement ivre. Montre la bagnole, je te dis. Oui. Tu m'emmerdes. Donne-moi les clés, espèce de sale. Ne m'insulte pas comme ça. Je suis si j'ai l'arme, donne-moi les clés, sale. Non, William, tu n'es pas en état de conduire. Je te dis, je suis pas bourré. Arrête. Moi, non. Tu me fais mal, arrête. Non. Donne les clés. Monte pas avec moi, si t'as peur. Donne-moi les clés. Elle s'est jetée sur ma voiture. Elle est tombée ou il l'a poussée, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est à cause de lui. Il l'a tuée pour de bon après l'avoir tuée durant des années à petit feu. On ne s'est plus parlé après la mort de ma mère. Et puis, ça ne s'est pas arrangé avec le temps. Je lui en ai voulu de plus en plus en grandissant. Merci. Où croyez-vous qu'elle va aller maintenant? Elle va essayer d'aller à New York, je crois. New York? Pourquoi New York? Pour voir Timmy, mon fils. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui, je sais ce qu'elle fait maintenant. Ça peut paraître insensé, mais elle calque sa vie sur la mienne désormais. Sauf qu'elle, elle n'a vraiment aucun scrupule, aucun problème moral. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais apparemment il n'y a plus trace de moralité en elle. Elle fait des choses auxquelles je peux évidemment penser, mais que jamais je n'oserais faire. Ou que je n'aurais jamais le courage de faire. Il faut espérer qu'elle est réellement à New York. Autrement, on va se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment, et cette petite erreur peut coûter la vie à beaucoup d'innocents. McQuaid, ce qui m'apporte le plus en ce moment, c'est mon fils. Et je sais qu'elle ressent exactement la même chose. Alors elle va aller à New York, le récupérer, et ensuite... Je dois être absolument sûre qu'elle... McQuaid, cette fois, je suis sûre de moi. Nous avons posté des tireurs d'élite à La Guardia, à l'aéroport Kennedy et à Newark. Vous savez quel vol à l'emprunter? Nous vérifions les listes, monsieur, mais ça bouge beaucoup. J'ai bien peur, messieurs, de ne plus pouvoir garder le secret. Je vais devoir informer le président, prévenir le maire de New York de manière à ce qu'il puisse mettre en place un plan d'évacuation de la ville. Laissez-nous encore un petit peu de temps, si c'est possible. Personnellement, je ne crois pas que ce soit en semant la panique dans les rues de New York que nous la coincerons. Le général a raison, monsieur, ce serait une catastrophe. D'accord. Je vous fais confiance. Vicker, F8 a certainement quelques heures d'avance sur vous. Mais nous avons posté des équipes de surveillance à New York. Je suppose que tout ça, c'est la routine pour vous. Comment ça, la routine? Tous ces morts, cette violence, ces coups de feu. J'ai vu pas mal de mes amis repartir chez eux enveloppés dans des sacs de plastique. Non, c'est pas la routine. Écoutez, il faut que vous sachiez que nous croyons en notre métier. Nous le faisons dans l'espoir de sauver des centaines de vies humaines. Nous sommes contre la guerre. Notre but n'est pas de détruire. Nous travaillons pour préserver une qualité de vie et je crois que c'est important. En ce qui vous concerne, je pense que vous avez été guidé par de bonnes intentions. Même si vous avez oublié de mettre un bouton pour éteindre le jouet. Merci, McQuaid.
je ferai tout mon possible pour récupérer votre fils sain et sauf, je vous le garantis. Mais je tiens tout de même à vous prévenir qu'il se pourrait aussi. Oui, je sais. À ton avis? Je crois qu'il apprend le russe ou je sais pas, un truc dans le genre. Enfin, peut-être mieux de sortir le mari et le gosse, non? Non, il faut les laisser, c'est le seul moyen de l'attirer ici. Première unité ici, le Condor. Ici, première unité. Rien à signaler. Deuxième unité. Rien à signaler. Troisième unité. Il a l'air occupé. Il est magnifique. Merci. Au revoir. Au revoir. Condor, ici 3e unité, rien à signaler. Condor, ici Seeker. On devrait arriver dans un petit peu moins d'un quart d'heure. Bien reçu, Seeker. Troisième unité, la femme de tout à l'heure revient sans son chien. Qu'est-ce qu'elle en a fait? Répondez, troisième unité. Répondez, troisième unité. Troisième unité, répondez. Première unité, allez voir ce qui se passe. Condor, ici première unité. Troisième unité a été tuée. La cible est dans l'immeuble, je répète. La cible est dans l'immeuble. Eve? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Timmy est ici, non? Et bien sûr qu'il est ici, comme tous les week-ends. Ouais, bah, quelle tenue! C'est pas ton look habituel. Est-ce que t'as quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Où est Timmy? Est-ce que ça va? Je veux voir mon fils. Bon, où il est? Je veux le voir immédiatement! Calme-toi, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui te prend tout à coup de venir nous voir? Maman, maman! Mon chéri! Je savais pas que tu viendrais! Maman t'a manqué, n'est-ce pas? Je t'ai manqué, oui ou non?
Oh, je t'aime, mon garçon. Et tu dois savoir que je passerai beaucoup plus tard avec toi si je pouvais. Eve. Eve, relève-toi. Allez, ça n'a pas l'air d'aller. Hein. On va s'asseoir et on va parler tranquillement. Je t'en prie. Eve. On va s'asseoir et discuter. D'accord? Je t'en prie. S'il te plaît, Eve. Assieds-toi, je vais te faire un peu de café. Allez, viens. Timmy, tu viens m'aider? On va faire du café pour maman. Viens, bonhomme. Allô? Peter? Oui? C'est difficile à expliquer, c'est Eve. Quoi? Oui, la femme qui est entrée chez toi, ce n'est pas moi. Et qui est à l'appareil? Regarde par la fenêtre. Quoi? Oh Peter, je t'en prie, ce n'est pas une plaisanterie, regarde par la fenêtre! Écoute-moi bien. Ta vie et celle de Timmy dépendent de la façon dont tu vas réagir dans les prochaines minutes. Tu connais le projet sur lequel je travaillais? Peter! Oui, 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 oui. C'est un de mes robots, tu entends? Elle est terriblement dangereuse. Oh, merde. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'il fasse sortir Timmy, déjà. Qu'ils le mettent dans l'ascenseur. On s'occupe de le récupérer en bas. Eve, tu es toujours là? Peter. Oui. Il faut que tu fasses sortir Timmy de l'appartement. Quelqu'un le récupérera en bas. Tu m'entends? Mais oui, j'ai entendu. Oh, fais-le immédiatement, je t'en prie.
ici, les gars! Il est encore en vie. Appelez une ambulance. Elle a pris l'escalier de secours. Venez avec moi! Attention! Projetez le quartier qu'il vient d'indiquer. Blessé dans la station de métro. La cible s'est certainement dirigée vers Lexington Avenue. Je suis à sa poursuite. Restez à terre! Je vous en prie, ne tirez pas! Appelez la police! McQuaid! Faites évacuer Lexington Avenue et stoppez les trains. Demandez à la police de ne pas intervenir, qu'il nous laisse régler cette histoire. Je ne veux surtout pas qu'il lui tire dessus. Aidez-moi! Aidez-moi! Mon général, ils ont de sérieux problèmes avec leur ordinateur au service des transports. Ils ne peuvent pas stopper les trains. C'est elle.
tu fais la espèce de crime. Mais je ne veux plus jamais qu'on ferme la porte, donnez-le dans sa mère. Maman t'a promis de veiller sur toi. Rêve. Maman. Donnez-le-moi, je vous en prie. Oui, donnez-le-moi. Je vous en prie. Je vous en supplie, donnez-le-moi. Je vous en supplie. Docteur, vous pouvez m'aider. On a quand même fini par trouver le bouton pour l'éteindre. Now
self-destruction.